Bienvenue sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et comment d'après vous, vous pouvez aujourd'hui doubler, multiplier par 5 ou multiplier peut-être par 10 le trafic que vous avez sur votre site web? Eh bien tout simplement en étant mieux référencé sur Google et pour ça vous pouvez le faire avec un tout petit fichier que plein de personnes oublient de renseigner sur Google. Donc cet outil là j'en fais la démonstration complète, pour ça il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous voyez il y a plein de choses ici pour faire de l'analyse on-page, de l'analyse off-page. Et ce petit fichier, tout simple, ça s'appelle le sitemap. Et le sitemap, ça va vous permettre en fait d'avoir une carte complète de votre site web et le renseigner sur Google. Pourquoi ça peut vous faire gagner énormément de trafic si vous renseignez ça à Google? Eh bien, tout simplement parce que Google n'a peut-être pas accès à certaines pages qui pourraient recevoir énormément de trafic et donc elles ne sont pas indexées dans le référencement de Google. C'est le cas notamment si vous utilisez certains types de CMS, donc des systèmes de gestion de contenu que Google ne peut pas pénétrer, sur lequel Google ne peut pas accéder. Et donc, il y a peut-être plein de pages de contenu comme ça qui pourraient vous rapporter énormément de trafic web, mais manque de peau, eh bien Google ne les voit pas. Et donc, le sitemap, c'est exactement ça. Ce simple petit fichier, ça peut littéralement eh bien décupler votre trafic. Vous pouvez le faire encore une fois avec cet outil. Je passe sur les deux autres onglets qui vous permettent très rapidement eh bien de faire l'analyse de centaines de pages et savoir exactement ce selon les critères, les algorithmes les plus récents de Google. Et ici, ça vous indique quels sont les bons et les mauvais backlinks de votre site ou de vos différents sites web, puisqu'il y a certains mauvais backlinks que vous voulez supprimer. Mais uniquement si on se base sur le sitemap, et là, ça fait un sitemap de manière professionnelle, si je clique dessus, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre, le sitemapper. Il suffit tout simplement de coller l'URL de votre site web, du site que vous voulez analyser, sur lequel vous voulez un sitemap, ça peut être pour vos clients aussi. Vous cliquez tout simplement sur « Generate » et automatiquement, eh bien, l'outil va vous sortir, eh bien, toutes les pages de ce domaine que Google ne voit peut-être pas. Si par exemple vous n'avez pas de lien sur la première page de votre site ou si vous utilisez certains systèmes de gestion de contenu et toutes ces pages, donc là je vais cliquer sur stop mais vous pouvez laisser le truc autant que vous voulez, mais c'est juste pour vous montrer, et toutes ces pages là et ensuite vous allez les donner à Google, vous cliquez tout simplement sur export et ça va vous générer un fichier XML que vous allez tout simplement donner à Google dans la Google Search Console. Et donc si j'ouvre le fichier en question, vous voyez, on a une carte complète des différents liens du site web en question que vous donnez à Google, ce qui va permettre automatiquement à Google eh bien, de connaître toutes les différentes pages de votre site et notamment des pages qui peut-être n'étaient pas connues et pourraient recevoir plein de trafic web comme ça, puisqu'elles seront actuellement, et eh bien dès à présent, indexées sur Google. Et donc potentiellement, ça peut vous multiplier votre trafic par 2, par 5, par 10, selon les pages, selon la qualité de vos pages, selon le nombre de pages qui n'étaient pas indexées. Voilà pour ce petit truc. Donc pour aller beaucoup plus loin, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour recevoir la démonstration complète de cet outil qui prend en compte les mises à jour les plus récentes du 3 juin 2019, donc la modification majeure des algorithmes de Google et qui est 100% compatible avec ça pour eh bien, exploser littéralement le référencement de vos sites web, de vos blogs. Donc on se retrouve tout de suite dans la démonstration complète.